Vas-y, fantôme, lis-nous ta cinquième lettre. Bon, je ne sais pas si c'est la même. J'ai peur aussi de vous revoir, de vous parler, de vous entendre. Oui. Et je ne sais pas tout ce mystère dont je m'entoure, et j'ai si peur d'être connu de vous. Sous une fenêtre, dans la nuit en Espagne, une guitare invisible chante. Oui. Et la jeune fille pure se laisse émouvoir par une présence aussi légère. Ah, c'est pas bien. Anne-Marie, je demeure ainsi invisible pour que nous puissions nous aimer longtemps. Oh, mieux en mieux. Ah, tu es devenu un art. Et puis ça réussit, c'est merveilleux. Depuis que le boxeur a porté la première lettre, Anne-Marie n'est plus la même. C'est vrai, elle s'est apaisée. Elle travaille leur corps comme un homme, et puis elle ne voit plus que nous. Alors, ah, c'est entendu, pensons que je vous mette... Et toi, tu viens travailler? C'est tout? Ah, c'est bien. 5000 km en circuit fermé, tu te rends compte? Je vais mettre un coup si je veux réussir. Tu réussiras. Depuis 15 jours, tu fais tout ce qu'il faut pour ça. Tu es en grand progrès. C'est vrai? Tu peux me croire. Et toi, mon petit penseur, c'est ton opinion? Oui. Laissons-le, il a du travail. Allez, grouille-toi, mon vieux, grouille-toi. Écoute, je voudrais te parler à toi seul. Dis donc, viens les rentrer agacer le penseur, pourquoi? Il y a une question délicate de carburateur pour son vol de durée sur le dos. Le constructeur est assez sceptique, mais Capri vient à ce nouveau carburateur. Est-ce que tu voulais me parler? Oui. C'est si sérieux? Très sérieux. Bah viens jusqu'au hangar, j'ai quelque chose à voir là-bas. Partez pas, penseur, c'est prêt tout de suite. Alors, docteur, il faut se trouver. Parce que c'est le temps de fin du monde. Mal. Oui. Et aussi du bien. Le mal détective. C'est trop bien. Mais qu'y a-t-il donc dans ce lettre? Non, chaque jour elle devient plus belle et plus tendre. Surtout celle du soir. Celle du soir? Maintenant elle m'écrit le matin et le soir. Ah, Tout, du page. Mon Dieu, du page? Mais si tu savais comme c'est joli. Ah, si j'en ai ma journée, je serais par les épaules comme un studio de français. Je suis à faire son mari votre jour et comme un seul loisir. Il a écrit ça? Oui, détective, il a écrit ça. C'est joli, hein? Bien trop joli, Anne-Marie, bien trop joli. Cherche ton assistant. Parce que... C'est là pour le détective. Ligne de presse. Oui, 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 la dame de presse, on peut... Mais qu'est-ce que tu as fait? Salut. Oui? Mais qu'est-ce qui se passe? Le penseur trahit. Ouais. Il écrit maintenant des lettres de 8 et 10 pages. Quoi, raison. Matin et soir. Fiche. Il lui parle de la secouer comme un cerisier de printemps, faire s'envoler son rire comme une volée d'oiseaux. Oh, ça c'est très grave. Quoi? Attends, je le vois là. Bon, alors attention, pas un mot, hein, pas d'allusion. On lui parlera ce soir après son travail. Il va être aussi, on va lui parler. Je vous apprête. Alors, il manque la femme de cœur. Il faut que la femme de cœur vienne au quatrième tour. C'est pas vrai? Non. Bon, ben, je vais te la faire. Tu
ne veut plus lui écrire de lettres. Hein? Je n'écrirai jamais plus de lettres. Pourquoi? Je suis un salaud. Quoi? Comment? Mais bon, tu le vois, mais vous êtes aveugle. Vous ne voyez donc pas que je l'aime? Oh, pauvre Dieu. Il peut aimer, mes parents. Je pense... Alors, c'est plus la même chose. S'il a de la peine. S'il est malheureux. Détective. Je compense. Même si j'en parle, mais... Nous sommes pas des enfants. Figure-toi que... Je crois qu'elle t'aime aussi. Oui, oh. Ce jour-là... Vous n'avez pas duré bien longtemps. Voilà. On a été heureux, mais on n'est pas perdu. On pourra encore être heureux. Autrement. On sera les garçons d'honneur. On sera les parents des enfants. Et voilà tout. Alors, écris-lui ta lettre du soir. Et signe-la. Signe-la. Mes amis, mes amis. Ah, ça crève ton cher. Ça y est, l'appareil est prêt. Allez, va, tu attends la juste plus tard. Oui, oui, nous t'accompagnons. Une seconde, ça y est, c'est fini. Alors, pourquoi me bouscule-t-on? Tu ne perds pas de temps. Tu veux que je te la garde, je te la lirai pas. Ouais. Ah non, 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 t'es trop pire. Tu enseignes. Allez, on y va. Où t'en dis? Ils sont allés accompagner le penseur. Ah. Tiens, voilà Anne-Marie. Ne lui dites rien avant mon retour, hein. Je lui parlerai moi-même. Ah, vas-y, accroche-le. Mais je vois que la fonction. Allez, tout cœur de pierre, Anne-Marie. Oh, c'est vrai. C'est vrai qu'on m'a demandé? Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Allez, aujourd'hui, c'est bientôt fini, non? Oh, qu'est-ce qu'il a?